Bonsoir tout le monde. Nous sommes avocat Bianca. Nous sommes avocat immigration en Boston. Si nous avons une question pour moi sur le dossier immigration, ou bien si nous avons besoin en consultation avec moi, nous m'avons téléphoné 508-942-74-97. Vidéo fait pour nous en soins, c'est sous nouveau loi que le président est passé après-midi. Ça. Nouveau loi ça affecte les gens qui n'ont pas États-Unis. So, soit Haïti, Kounia, et puis, on peut essayer d'entrer aux États-Unis avec un cadre de résidence. On peut essayer d'appliquer pour un cadre de résidence. Et puis, pour qu'on ait un cadre de résidence, on a une ambassade, interview là, on a une ambassade toujours Kounia. On peut pas entrer aux États-Unis pour 60 jours. Commencer demain, 23 avril. So, mon cas qui est affecté, j'aime te dire, si on peut essayer d'appliquer pour un cadre de résidence, ça pas affecté. Si on peut avoir un visa pour entrer aux États-Unis, ou bien si on peut avoir un document voyager pour entrer aux États-Unis ou pas pour entrer aux États-Unis pour 60 jours. Après 30 jours, il y a gardé pour voir si au besoin en font extension sur l'autre visa. So kounya c'est plus pour mon KPC entrer aux États-Unis avec carte résidence. Et puis raison que président Biden pour ça est parce que kounya gagne presque 23 millions américains qui pas travaille kounya à cause de coronavirus qu'on pile monde qui perd du travail. Le président pense que si on quitte mon entrée avec quatre résidences, mon saio pour le voler travail américain. C'est peut-être ça lui dit que pour 60 jours, il n'est pas capable de quitter aucun mon entrée aux États-Unis parce qu'il voulait essayer de protéger travail américain. So, si vous n'avez pas quatre résidences, ou bien si vous n'avez pas un visa ou bien un document pour voyager, vous n'avez pas entrer aux États-Unis pour 60 jours. Nouveau loi ça pas affecté si vous déjà un cadre de résidence, si vous marié avec un monde qui un citoyen américain, si vous son petite un citoyen américain et pour gain moins que 21 ans, si vous passé entre États-Unis avec un visa ou un cadre de résidence et puis vous son docteur, un infirmière ou un autre monde qui travaille dans l'hôpital médical comme ça. Et puis, vous avez essayé de traiter les gens qui ont le coronavirus, ou bien vous avez essayé d'entrer aux États-Unis pour étudier le coronavirus, il y a qui sont entrés. So, nouveau loi, ça n'a pas affecté dans la situation. Ça n'a pas affecté dans l'armée aux États-Unis. Il n'a pas affecté si vous avez essayé d'entrer aux États-Unis avec un visa spécial pour les gens qui ont essayé d'entrer aux États-Unis pour commencer le travail. Et puis, il n'a pas affecté si vous avez appliqué pour asile. So, qui ça a fait Kounia? So, j'aime des doulans, nouveau loi ça, li bon pour 60 jours. So, commencez demain, 23 avril, nouveau loi ça pour aller pour 60 jours. Après 30 jours, vous pouvez regarder pour voir si vous avez besoin de mettre l'autre visa là-dedans. Par exemple, Kounia, loi ça, li pas affecté moun qui a essayé appliquer pour visa fiancé avec visa touriste. Avec un visa visa étudiant, visa gain pe visa travail, nouveau loi ça pas affecté visa ça pour kounya. Maintenant 30 jours, président dit que yo ka regarder loi ça pour voir si au besoin ajouter l'autre visa ça dans loi ça pour voir si yo besoin faire ça. Après 50 jours, président pral garé, yo pral garé ta économie États-Unis hier, pour voir si yo pral renouveler loi ça, si yo pral faire une extension sous loi ça. Si on connaît ça dans 50 jours comme ça. So kounya, sous États-Unis, loi ça pas affecté. So sous connaît que ou qualifié pour un cadre résidence et puis ou poko appliquer, on t'encourage à appliquer kounya. Dans toute vidéo, je vous dis toujours, si vous qualifiez pour un cadre résidence, faites ça kounya, paraît tant, parce que loi immigration, nous déjà connaît. Président ça, paraît mes immigrants, si tout immigrant noir, si tout immigrant qui sortit Haïti. So, si vous appliquez pour un cadre résidence, et pour États-Unis kounya, nous encourageons à appliquer pour un cadre résidence, parce que nous ne connaissons pas qui ça encore, nous ne connaissons pas qui gens. Loi immigration yon pas vin pi mal, mais nous connaît que yon pas vin pi mal. Nous connaît nous déjà ouais, la PC fait moun pas ka rentrer aux États-Unis dit tout. So, gon chance que président ka après 50 jours, li ka décider, eh ben, tellement nous pas quitter aucun moun entrer aux États-Unis, tellement ça marche bien,
kounya nou just di ke pa gen ken moun ki ka jwenn kad rezidans ankon. Mba ta reme sa pase nou. So si nou kwalifye pou kad rezidans, mta ankoraje nou aplike pou kad rezidans kounya. Imigrasyon ouvri toujou, kòtch yo ouvri toujou, nou deja konnen prezidan sa vle depote tout moun, so kòtch yo la toujou, yap depote tout moun. Imigrasyon ouvri toujou, yap fè yap proses aplikasyon yo toujou, e jiske yo pa pran ken moun an person. Men ouvri toujou, yo stil ouvri, mwen jwen plizye kat travay pou kliyan mwen yon semen sa, mwen jwen an kat rezidans pran lòt kliyan semen sa, imigrasyon ap travay toujou. So ou dwe ap travay toujou sou dosye par lòt tou. So, m souwete ke video sa te ede nou, si nou ta gen ken kesyon sou nouvo lwa imigrasyon sa, si nou ta gen ken kesyon sou dosye pa nou, nou ta vle fon konsultasyon avek mwen, nou mette rem nan 508-942-74-97. Si nou pa Etats-Unis, nou mette rem nan WhatsApp ou bien nou mette voye ou mesaj pou mwen nan WhatsApp. Mersi beaucoup.